C'est effectivement une sorte d'extension de l'hôpital dans la ville de Chambéry, par l'accueil sur ce site, quasiment en centre-ville, des internes, c'est-à-dire les futurs professionnels à temps plein de l'hôpital de Chambéry. Et ce qui est assez remarquable, c'est qu'ils seront à 5 minutes à pied du CHMS et à 2 minutes à pied du centre-ville. Donc je pense des conditions d'accueil pour ces praticiens hospitaliers sans doute assez exceptionnelles. Donc nous avons eu la chance de faire une rénovation de deux bâtiments qui déjà avaient des architectures différentes et qui cohabitaient depuis les années 70 avec un bâtiment résolument contemporain qu'on a derrière et puis un bâtiment plus traditionnel fin 19e, début 20e qu'il a fallu remettre en dialogue puisque finalement depuis pas mal d'années rien n'avait été fait. Mais ceci dit, le travail était relativement simple puisque les bâtiments qui existaient avaient déjà de belles factures et il suffisait de les relooker un petit peu pour qu'elles retrouvent un peu leur panache d'antan. Voilà, donc c'est notre logement typique de la résidence. On commence par le hall d'entrée avec la cuisine entièrement équipée, le frigo, les plaques, le micro-ondes qui sont à disposition. Des meubles de rangement, bien sûr, pour que ce soit pratique. La pièce principale, tout de suite, table, chaise pour s'installer, le bureau et surtout les deux grandes fenêtres pour la luminosité. Et dans la pièce principale, canapé pour recevoir la journée, qui va se déplier en un lit double. Et enfin, la salle de bain, car les appartements sont totalement indépendants. Nous sommes partenaires de Crystal Habitat depuis 1995. Nous gérons une résidence depuis cette date, donc avec une habitude de partenariat très ancrée avec Crystal Habitat. Lors de notre rendez-vous du mois d'octobre, ils nous ont donc indiqué qu'il y avait un projet qui était avec une concrétisation à très court terme à destination d'internes du CHMS. Donc évidemment un établissement qui pour la ville et même plus localement est très important. Et je dois avouer que compte tenu de la qualité du partenariat, on ne s'est pas posé la question une seule seconde d'y aller ou pas. Ça nous semblait une évidence d'accompagner Crystal Habitat qui lui-même accompagnait le CHMS. On est alors rentré en mode projet avec trois partenaires, dont nous, et ça a été l'occasion, effectivement, de mettre en perspective des contraintes techniques qui étaient gérées par Crystal Habitat, des contraintes métiers des internes et aussi milieu hospitalier, et c'était notre interlocuteur était Monsieur Perco, et de notre côté, les habitudes que nous avons en matière de gestion des résidences pour étudiants et jeunes. Cette localisation en périphérie immédiate du centre-ville aurait pu permettre une résidence immobilière avec un profit plus marqué. Le choix a été de faire plutôt 35 logements qui sont assimilés d'ailleurs à du logement social, permettant une insertion professionnelle aussi de celles et ceux qui seront demain praticiens hospitaliers. Et je dois le dire aussi, ça a été réalisé grâce à un article de loi auquel j'ai participé il y a quelques années, permettant à ce qu'une propriété d'État puisse être vendu avec une décote, c'est-à-dire moins cher que le prix du marché, pour permettre l'équilibre d'une opération de logement à caractère social. Et vous vous trouvez ici, effectivement, sur un ancien site, à la fois propriété de l'État et du conseil départemental. Et donc, c'est cette alchimie qui permet d'offrir, dans des conditions vraiment exceptionnelles, de nouveaux logements pour les internes de l'hôpital de Chambéry. Les internes sont des étudiants de médecine qui sont en formation, qui viennent chez nous 6 mois dans un service pour apprendre leur mes futurs métiers. Et donc les conditions d'accueil des internes sont très importantes. Il y a l'aspect pédagogique et ça c'est offert par les services. Et puis il y a l'aspect matériel hôtelier. Et il nous paraissait important pour améliorer les conditions d'accueil de ces futurs médecins, de pouvoir travailler sur des chambres, des studios qui, clé en main, leur donnent des conditions de vie bien meilleures que ce que l'on peut offrir dans des résidences universitaires. Je dirais qu'on potentialise encore plus les chances de retenir d'autres internes et puis aussi de valoriser la vie à Chambéry. Parce que ce qui est très important, c'est qu'on est tout près de l'hôpital, mais on est aussi à très grande proximité du centre-ville. Donc là, vraiment, les internes aussi peuvent toucher du doigt très quotidiennement la réalité de la vie quotidienne à notre belle ville. On est très enthousiaste parce que la résidence qu'on fait pour le CHU avec Crystal, c'est probablement une des plus belles qu'on ait en France. C'est une rénovation, il y a un bâtiment qu'on va qualifier de moderne, un bâtiment ancien, 35 logements qui sont top niveau. Donc ça va être un gros succès, c'est notre 5e résidence en Rhône-Alpes, notre 2e à Chambéry, notre 2e avec Crystal. Donc Arpège est très content et on donnera le meilleur pour satisfaire nos habitants et nos locataires. Alors il y a une centaine d'internes traditionnellement à l'hôpital de Chambéry en permanence et ici vous avez une offre de 35, ce qui veut dire
un bon tiers pour les internes, en sachant que d'ailleurs tous les internes ne cherchent pas forcément un appartement, parce que nous avons aussi des Savoyards parmi les internes ou des Isérois qui rentrent chaque soir chez eux. Mais vous avez vu ici, ils auront donc des prestations de qualité avec des appartements très différents les uns des autres, dans un endroit où il y a des arbres, des espaces verts, et donc une vraie qualité de vie.